Décagone CrossFit. Pourquoi je l'ai ouvert ? Parce que il n'y avait pas de CrossFit dans la Nièvre. C'est une discipline qui est innovante parce qu'on va retrouver du cardio, de la gymnastique, de l'haltérophilie. Tout ça, en fait, on peut le trouver dans un même entraînement. Après, ce qui est intéressant avec le CrossFit, c'est que c'est toujours varié. Ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve un peu dans les salles américaines, c'est-à-dire tout le monde mange bien, on a un rythme de vie vraiment carré, c'est en train vraiment de se développer en France. Et d'ailleurs, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que la France c'est le premier pays importateur de box de CrossFit dans le monde pour l'instant. Une séance de CrossFit, donc ce qu'on appelle un WOD, ça dure environ une heure. C'est un petit groupe de 10 personnes. Et ce groupe est coaché par un coach qui est diplômé CrossFit. Comment ça se déroule ? Donc premièrement, il va y avoir un petit échauffement de 5-10 minutes. Ensuite, il y aura un travail donc, de skill qui va durer une quinzaine de minutes, où en fait, on va travailler un mouvement qu'on va retrouver dans l'entraînement d'après. Et donc l'entraînement d'après, donc, c'est vraiment là où on sort de sa zone de confort. On va vraiment chercher tout ce qu'on a. Et en fait, cet entraînement est très très dur, mais c'est vraiment parce qu'en fait, il faut sortir de sa zone de confort et c'est là où on a les meilleurs résultats, parce que plus on va mettre d'intensité et plus on aura de résultats. Le CrossFit, c'est vraiment pour tout le monde. Tous les niveaux de conditions physiques sont acceptés. En fait, il n'y a vraiment pas de prérequis et le coach en fait adapte à chaque fois. Et trouve des situations pour que les personnes ne soient pas en situation d'échec en fait. On travaille vraiment beaucoup sur la technique pour que les gens vraiment travaillent sur des bons mouvements avant de mettre de l'intensité en fait. Parce qu'on veut vraiment préserver leur intégrité physique. Le CrossFit, c'est vraiment un programme d'entraînement exceptionnel pour avoir des résultats sur le niveau de condition physique en fait. Au quotidien, ça t'apporte le bien-être. Ça te pousse à faire beaucoup plus de choses, à te dépasser. Le CrossFit m'apporte une complémentarité par rapport à mon métier, à mon sport. Je suis aussi pratiquant de rugby et je suis pompier, donc ça m'apporte une meilleure qualité physique, que ce soit en termes de cardio ou de musculation. Ce qui rapproche le CrossFit du rugby, c'est presque un sport d'équipe. En fait, on est une communauté, on est 10 personnes à se surpasser. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces 10 personnes, elle va encourager l'autre, elle va pousser l'autre dans ses retranchements, elle va vraiment lui permettre d'aller le plus loin possible. Et c'est ce qu'on retrouve dans le rugby. À la fin, tout le monde se congratule et c'est ça qui est bien, quoi. Il n'y a pas de jugement par rapport à l'effort de chacun des autres. Pour moi, c'est important d'allier le loisir et le plaisir et le travail, quoi. Tout ça vient déjà de mon hygiène de vie. J'essaye vraiment d'être le plus propre possible. Et ce qui me donne la force aussi, c'est que je suis quelqu'un d'entreprenant. En fait, j'ai toujours envie de faire plus, j'ai toujours envie de faire mieux. Je suis né à Nevers et j'ai envie que les gens ils disent il y a un nouveau truc qui est ouvert, c'est intéressant. Il n'y en avait pas et j'espère qu'il y aura d'autres personnes comme moi, parce que si tout le monde se met à ouvrir des choses inexistantes à Nevers, et ça permettra de dynamiser la ville et du coup de créer des postes, d'avoir des jeunes à Nevers pour permettre d'avoir une ville plus sympa et plus dynamique.